Famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, je suis en train de faire la pizza pour les enfants. Donc, j'avais fait ma pâte déjà, comme vous voyez. Ça, c'est au salami parce que les deux petits aiment bien les salamis. Et Pénélope, il veut au lardon et des œufs. Donc, voilà. Là, je suis en train de couper mes petits. En fait, j'avais utilisé ce fromage, mozzarella pour la pizza, mais. Comme j'avais ça aussi à la maison, donc je me suis dit, je vais mettre un peu. Comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais venir ajouter ça un petit peu, que j'avais déjà mis en. Je vais ajouter ça comme ça. Voilà. C'est ça, donc. On va mettre ça au four. Voilà. On va mettre la première. Donc ici, on a les lardons. Ça, on va mélanger avec des œufs un peu. Parce que Pénélope, elle aime bien les œufs avec les lardons. Souvent, je fais des pizzas comme ça. Je fais des pizzas ici. Donc, un au lardon et un au salade. Voilà. On a la pizza ici. Maintenant, je vais m'attaquer au sel des lardons parce que Pénélope, elle aime bien les lardons. Voilà, avec des œufs, comme je vous avais montré les mélanges tout à l'heure. En tout cas, je vais laisser refroidir comme ça les enfants vont manger. On est mercredi, comme que je suis à la maison aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas leur faire plaisir. Voilà, en tout cas, essayez aussi de faire plaisir à vos enfants. Hein. C'est tous les mercredis. Voilà, souvent on part manger au quick ou on part. Manger les kebabs, mais aujourd'hui, on me suis dit, on va quand même manger les pizzas et tout ça. Voilà. Ça, les tomates, j'ai mixé moi-même parce que je n'avais pas les tomates à la maison. J'ai pris les tomates, j'ai mixé. Je faisais longtemps, mais c'est juste que j'ai pas le temps aussi pour faire des vidéos. Mais je vous promets que je vais recommencer. C'est pas toujours facile. Hein. Allez, on court tout le temps aussi, c'est pas facile. Et. Là, je vais prendre les fromages ici, mozzarella. Là, je vais prendre mes mélanges comme ça. Voilà. Et là, je vais maintenant couvrir encore un peu. Voilà, donc ici j'ai mis les œufs, les lardons et oignons. Maintenant j'ai mis du fromage, j'ai mis des tomates, comme vous voyez. Maintenant je vais mettre un four. Voilà, et voilà, c'est vraiment bon. Voilà, en tout cas, je vous dis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci.